Bah du coup, chapitre 7. Alors, un peu plus. Dans la prise à gauche, on n'a pas le temps. Ajustez l'éclairage. Monsieur le Président, je vérifie votre micro. Dépêchez-vous un peu. Monsieur R de droite. Ok, mais bon, un gros robot. En gros, c'est la même chose que le numéro 1. Ouais. Le réservoir est tout prêt. Allons-y. Avant. C'est parti. Ah. Par où est-ce qu'on est censé descendre? Ah. Oh, ouais. Oh, c'est une bonne idée, ça. Ah. Comme ça, on est les derniers, hein, sinon c'est pas amusant. Oh. Oh, mais pourquoi on peut pas contrôler? J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Oui. Hey, regardez ça. J'ai vu. Si ce gros tas de ferraille était en marche, je suis sûr qu'il détruirait tout sur son passage. Tu crois? La machine de ce type sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance on tombait nez à nez avec elle, on aurait intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance qu'elle soit en train de roupiller, là. Beaucoup trop, je sens. Elle va se réveiller. La zone est immense. En tout cas, on va en affronter une plus tard. C'est sûr. Tu connais la Chidra? Claire, je parie qu'ils ont eu la trouille et qu'ils se sont fait la malle. Je suis vraiment désolé de tout analyser, mais. Bah, forcément, on en a besoin. Ok, c'est bon. J'ai même pas. Oh, cette fois, c'est bleu! Franchement, c'est très beau. J'aurais préféré l'oublier. Oh, c'est beau. Ah, j'adore la couleur bleue, donc franchement, j'aime beaucoup cet endroit. Même si pour le dernier chapitre, il était nul. Hein. Franchement, je vais pas mentir, il était chiant à en crever. Ils auraient pu largement les courter hein, dans le remake. Hein. Mais ou sinon les puristes, ils auraient gueulé. Ouin ouin ouin, c'est pas comme dans l'original. Ben, il y a des dizaines d'années qui séparent l'original du remake. Hein, donc forcément... Regardez. Voilà enfin notre comité d'accueil. Il y a les tourelles. Je m'occupe de les dégommer. Merci. Coup de tonnerre. Allez, nickel. Alors, ça t'embouche un coin, hein? Pas vraiment. Ok, par où on passe? Non, c'est vrai, par où on passe? Ok, c'est là. Putain, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. Ça doit faire quoi, quelques semaines? Ouais, que j'y suis pas retourné. Et c'était plus vert. Là, c'est bleu.
À quoi le réacteur jaune? À quoi le réacteur rouge? En vrai, ça serait drôle qu'il nous fasse toutes les couleurs. Va y avoir un gros monstre. Va y avoir un gros monstre. Va y avoir un gros monstre. Est-ce qu'il va encore y avoir... Oh... Sephiroth. Edgy boy. Quoi? Le réacteur, la Shinra. Quoi, il est tout le reste. Je les déteste tous. Pourquoi elle est déguisée en cow-boy, cette conne? Désolé, mais ouais. Pourquoi t'es déguisé en cow-boy? Quoi, c'est ton père? Pose cette arme. Pose cette arme. Tu ne sais pas t'en servir. Reste avec nous. Oh. Tifa. Dis. Oh putain. Allez. Combien de minutes cette fois? On va pas s'embêter avec ça. Celle-là a un détonateur télécommandé. Wow. Jesse a fait du bon boulot. Vous allez le perdre. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et... boum. À bonne distance. C'est nulle part, je sais. On va s'enfuir par la sortie principale. Faut faire le chemin inverse. Va y avoir un gros monstre. Va y avoir un gros monstre, va y avoir un gros monstre, va y avoir un gros monstre. Ah ok, on peut pas passer par là, faut remonter. Hey, attends, tu vas où? Le timing est trop parfait. Tiens. Alors ça veut dire qu'on est surveillé partout? Bah oui, bienvenue. Bienvenue dans le monde réel. Wouah, c'est ça, ça va. Tyrannez-vous préférez, soyez les bienvenus. Rire de droite. Je suis le directeur du département de sécurité publique, à la tête de la campagne de propagande de la compagnie Shinra. Monsieur rire de droite. Non, le vénérable le rire de droite. Le chef de leur armée, vous devriez vous réjouir. Vos exécrables méfaits sont diffusés dans toute la ville de Midgar en ce moment même. Oh. C'est pas vrai. Des nouvelles du réacteur Mako numéro 5. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes, identifiant ce réacteur comme étant leur cible. Des suspects ont été repérés sur les lieux. Les forces de sécurité les traquent et s'efforcent de localiser les explosifs. Ah. Notre envoyé spécial est en direct. Oui, je me trouve sous le secteur 5. Suite à l'annonce de la cible des terroristes, le bureau de crise de la compagnie Shinra a invité les habitants à évacuer les bâtiments. Après la tragédie du réacteur numéro 1, cette nouvelle menace qu'on ne peut que qualifier d'inhumaine... On est contre ces attaques ! ...a soulevé un vent d'indignation. Il faut attraper les coupables ! Le président Shinra a déclaré qu'il éradiquerait ces criminels qui menacent le bien-être de la population. Ok, donc il veut les buter. Et donc, pour rassurer le peuple en proie au désarroi, vous allez nous offrir un spectacle palpitant. C'est tellement... Mais alors tellement manichéiste, c'est le grand méchant. Oh non, pas lui. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? À bord de l'équipe technique, l'armement de l'aérodestructeur n'est prêt qu'à 60%. Plus de temps que prévu. On est en direct là. Message à tous les effectifs de sécurité. Oh, c'était ridicule. Ridicule. Pourquoi ils font des Naruto Run, ces cons, là? Oh, fuck. Fire. Sauveur. Ouais. Ils déforment les faits comme ça les arrange pour nous discréditer. Et de les conduire sur le pont. Non, on va pas les laisser faire.
J'ai une idée. Ils veulent une exécution publique. On va défoncer leur gros tas de ferraille. Pardon ? Ça leur foutra la honte devant tout le monde et en direct. Et de les conduire sur le pont. Ouais. Mauvaise idée. Mais j'avais dit quoi ? J'avais dit qu'on allait le combattre. J'avais dit. Il est tellement prévisible ce jeu. Je l'avais dit. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Encore faut appuyer. Allez. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Accélérez un peu le rythme. On ne peut pas faire attendre le directeur. Le chargement est prêt. Oh. Ici le B8, transfert en cours. Merci. Oh, je sens que ça va mal se passer. Bonjour. Les intrus ! Arrêtez-les ! Non. C'est moi qui vais vous arrêter. Ok, d'abord toi. Je vais te calmer. Oh putain. Il n'y a pas de problème d'invulnérabilité dans ce jeu. Ouais bon par contre vous Bien joué. Voyons un peu ce qu'ils fabriquaient ces enfoirés. Des trucs pas gentils. Arrête, Cloud, regardez ça. Ouais, c'est. Ça va faire bobo. On dirait que les éléments du robot sont acheminés par des monts de charge. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On peut peut-être limiter ses capacités. Ce serait un avantage. Allons voir la console de contrôle. C'est mais non là-bas, c'est ça. Putain, quitte à l'affronter, autant l'affronter à la loyale. Ok, c'est en haut. Putain. Faut que j'aille où ? Ah ok, putain. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Il faut une carte d'accès. Ah. On va chercher ça. Ah, va falloir fouiller. Je sens qu'il va être là-bas. Hein ? Je suis complètement perdu, je ne sais absolument pas où aller. Bah, je vais être honnête. Il n'y avait pas un des gardes qui trifouillait quelque chose par là ? Merci. T'en as trouvé une ? Ouais. Génial ! Faisons joujou avec la console de contrôle. Where is it ? Dites-moi qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est écrit Unité M sur l'écran. C'est le nom d'un élément ? Oui. Ouais. Une sorte d'amélioration à base de matériel liquéfié. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux changer la destination pour que ça aille au rebut. Oh. Ok. Ouais. Rejet de l'unité M validé. Attends, c'est quoi, c'est sérieux, c'est ça ? Ça a fonctionné. Allez, on passe à la suite. Dites-moi que je peux au moins. Ah non, ça va aller à la poubelle. Faut faire quoi maintenant ? Oh. J'aurais peut-être dû la garder.
Si ça se trouve, ils sont encore en train de nous observer. Eh ben c'est bien. On passe sûrement à la télé. On pourra rien y changer. Alors autant essayer de garder le sourire. Ils font un super sourire forcé. Faut s'écraser quelque chose. Pas encore. Ok, donc maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ici? Non, il n'y a rien. Bon, bah je suppose on est venu de là, donc il faut monter. Là là. Oh, encore, faut activer une putain de porte. Ok, donc voyons en avoir ici une le autre niveau moins 7. Transfert en cours. Bien reçu. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du niveau moins 8. Envoyez immédiatement quelqu'un sur place. Coucou. C'est les intrus. Attrapez-les. Ici le niveau moins 7. Nous avons engagé le combat avec les intrus. D'accord. Je te rappelle pas. Adieu. Il nous faut davantage de temps. Regardez les coups de coude. À vos ordres. On va pas vous laisser passer. Il y a deux consoles de contrôle cette fois. Parfait. On va les emmerder deux fois plus. À condition de trouver des cartes. Ah, j'aurais peut-être dû la garder. Au lieu de faire le gourmand. Alors, faut juste que je trouve du coup où sont les cartes. Ah, ok, c'est bon, il y en a une ici. Ok, donc va falloir que je réfléchisse. Il y en a qu'une. Alors, on a deux consoles. Cloud, à toi de choisir. Ok. Ils servent à quoi, au juste, ces cœurs d'IA? Ils améliorent le programme de gestion des mouvements. Ce qui veut dire qu'ils rendent le robot plus rapide. Un robot puissant et rapide? C'est pas rassurant. Réfléchis bien à ce que tu vas envoyer au rebut. Ouais. Ok. On va voir ce que donne l'autre. Je suis sûr, c'est la puissance. Et donc, ça, c'est la console qui sert à transporter des gigabombes. On les appelle aussi Big Bang. Elles sont particulièrement puissantes. Alors, si on les jette, il en aura moins. Je te laisse décider de ce qui est le mieux. Ouais, on va faire ça. J'aurais dû aussi faire pour l'autre, j'aurais dû garder une carte d'accès, je suis un peu con. Rejet de la gigabombe validé. Mais vaut mieux qu'on enlève de la puissance. Ça va te foutre la rage. Tu sais où va le matériel qu'on a envoyé au rebut? À mon avis, tout est entreposé dans une même salle. Intéressant. Des gigabombes, des cœurs d'IA, ça doit avoir beaucoup de valeur tout ça, non? Oui. C'est probable. On pourrait les récupérer. Oui. Faudra d'abord trouver cette salle. Ok, donc je sens que ça va être un mystère à découvrir. Putain... Pourquoi j'ai ouvert cette putain de... Pourquoi j'ai accepté de rendre le combat plus facile? J'aurais dû faire le pour l'autre truc. Ça aurait été mieux. Habitants de Midgar, écoutez-moi. Tout ce que la Shinra voit compte, c'est que des bobards. L'Amako est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors Barrett, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. Tu peux être sûr qu'ils ont coupé le son. Ouais. Je sens que la prochaine salle. Allez.
sois prête pour le prochain. Ouais, pas de problème. Alors, je crois qu'il va encore falloir choisir. Mais ouais, l'attaque la plus dévastatrice. Le chargement est fini. C'est bon. Les intrus sont ici. Approchez. Les intrus sont arrivés au niveau moins 6. Nous allons les arrêter. Merde, on ne peut pas se permettre de perdre davantage de temps. Dépêchez-vous de nous envoyer tous les éléments. On va faire tout notre possible. Allez. Il faisait pas le poids. Il va encore falloir choisir. Où y a-t-il des cartes ici? Nice. T'as trouvé une carte? Une seule. Il va falloir choisir. Trois consoles cette fois. Ok, alors ça fait quoi? C'est la console de contrôle des cœurs d'IA. Ok. Alors ça non, c'est l'arnaque. Où est-ce que c'est l'autre? Moi j'en ai vu qu'une, que deux hein, pour l'instant. Ah voilà. Ça, c'est la console des gigabombes. Dépêche-toi de choisir ce qu'on jette. Ouais, encore une gigabombe. C'est vaut mieux. Rejet de la gigabombe. On peut pas passer cette scène. Putain, c'est long pour rien. J'imagine la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte. Voilà, je préfère lui enlever son attaque dévastatrice plutôt que d'empêcher voilà, ses déplacements. Parce qu'en soi, on a toujours les potions. Hein. J'ai hâte. On va bientôt voir qui c'est qui va se prendre une bonne raclée en direct. T'as l'air content. Oui. On va foutre pour une fois. La Shinra. Et devant tout Midgar en plus. Oui. Oh, je suis morte de rire rien que d'y penser. Promets-moi que tu vas pas te mettre à danser. Oh, tu pourrais m'accompagner. Et toi, Cloud, ça te dit pas? Oui, non, je veux voir ça. Je veux voir Claude en train de se dandiner avec l'autre Hurlberg. Oh, pourquoi c'est violet? Shiny? Oh. Coucou Luna. Lulu, je suis en pleine vidéo, tu peux partir? Ma chienne. Ouais, il y a ma chienne avec moi, c'est bien. Tu veux me voir défoncer le gros monstre? Connasse! Il nous manque des éléments à cause de l'obstruction des intrus. Niveau moins 5, veuillez nous envoyer ce que vous avez. Bien reçu. On va encore vous défoncer. Les intrus sont là! Ouais, tu te soignes pas. C'est trop facile. Alors, il y a 4 consoles. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. Il n'y en a pas plusieurs d'ailleurs. Ah ah! Si le jeu il dit ça, c'est que forcément il y a une douille. Moi je dis ça, je dis rien. C'est des gigabombes. Essaie de jeter. Oui! Tout ce qui est bombe, c'est adieu. Voilà. Peut-être que comme ça, il pourra plus du tout la faire. De la gigabombe validée. Imaginez, il peut plus du coup du tout les faire à cause de ça. Tu vas voir, Heidegger. Ça va te foutre la rage. Oui. Alors. Ça, on l'a déjà vu, c'est non. Ça, c'est les disques. Ça, c'est les disques. Ici, c'est les cœurs d'IA. Mais il vaut mieux vérifier les autres. Non. Ça aussi, c'est les cœurs d'IA, je présume. Ici, c'est les cœurs d'IA. Je dirais pourquoi pas les cœurs d'IA. Franchement, parce que
C'est pas que c'est de la merde, mais c'est de la merde. C'est les unités M, c'est ça? Ouais. C'est une occasion unique de foutre la honte à la Shinra. Alors. Non. C'est genre du loot, mais moi, je vais plus chercher à faire ça. Voilà. Rejet du cœur d'IA. Je pense que t'as fait le bon choix. Vous croyez que le robot sera assez affaibli? Oui. On a fait ce qu'on pouvait en tout cas. Ça devrait aller. On l'a bien dépouillé. Ouais, là, on l'a pas bien dépouillé. Le truc, là, y a plus rien. On approche de la sortie. Tifa, t'es prête pour la bombe? Oui, t'inquiète pas. Dès qu'on aura éliminé le tas de ferraille, t'appuies sur le bouton. Appuie avant. Ça se passe mal. Encore. Je t'entends déjà suffisamment comme ça. Allez. Allez, hop, ça c'est réglé. Mais si, c'est possible avec une carte Kiwi pour un enfant moins de 16 ans. Et jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi et payent tous un voyage à moitié prix. Je suis désolé, mais venu dans la tête. Je vais tous nous heal avant. Désolé, ça risque de prendre un peu de temps, mais... Le truc, on peut pas en utiliser plusieurs, quoi. Sérieux. C'est chiant. Pas le en plusieurs à la fois, c'est con, mais du coup, ça ralentit énormément le gameplay. Oh. Oh. On est en haut. On a fait notre possible. Il nous reste plus qu'à croiser les doigts maintenant. Ouais. Allez, combat de boss. Si tu me dis que c'est la fin du chapitre, je vais péter un câble. Ok. Alors, est-ce qu'il est prêt? Il manque des gigabombes. Nous cherchons une solution. Faites vite. Le directeur s'impatiente. Hi, hello. Il est pas encore prêt. Détruit avant. Tous sur eux. J'ai besoin de temps pour les réglages. C'est moi. Je veux un rapport sur l'aérodestructeur. Excusez-moi. Il nous faut un peu plus de temps. C'est fini pour toi. Mes hommes sont actuellement en train de se battre contre les intrus. Par conséquent, les dernières préparations subissent du retard. C'était prévisible. Envoyez-le immédiatement au combat. Oui, mais... Il est réglé. Ah bon, c'est un ordre. You will die. Préparez le déploiement de l'aérodestructeur. Adieu. On y va, merde. On dirait que c'est parti. Je vais me sortir d'ici avant l'aérodestructeur. Terminé. Ouais. Il s'est pris pour qui, celui-là? Oh, t'es sérieux? Oui. Nice. Seriously. C'est donné. Ce sont les caractéristiques du robot, non? On trouvera sûrement son point faible au moment de l'affronter. Si on arrive à garder notre sang-froid, on le vaincra forcément. Ok, donc il n'a plus de bombes. Pour la victoire. Un truc bien synchro pour la télé. Je suis sûr que tous les gamins nous imiteront après. Pas question. Oh, mais putain. Oh merde. On peut pas monter par là. Bah oui. Ok, alors il y a forcément une solution. On a
n'arrivera jamais à remonter par les tuyaux. Cherchons autre chose. Il y a un truc qui arrive. Voilà. Non mais il est complètement malade. Pardon. Dégage de là. J'arrive. C'est pas fini. Ah, par contre, j'ai d'abord analysé le tronçonneur. Shinei. C'est clairement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et on va leur faire regretter ça. Allez. Ramène-toi le gros robot. Oh non, il va y avoir encore des ennemis. C'est absolument pas chiant, hein. Putain, arrêtez de nous teaser le gros monstre et donnez-nous le gros monstre. Bon, il n'y a plus de bombes, c'est ce qui m'apporte. Du coup, il ne pourra plus faire son attaque plus dévastatrice. C'est fini pour toi. Et voilà. Arrête, baisse un peu le volume. Non. Oui. Prépare-toi à t'en prendre plein la tranche. Ouais. Oui. On va montrer à la Shinra ce qu'on sait faire. C'est vraiment absolument pas ressemblant au premier niveau, hein. On rentrera quand même chez nous. Oui. On y arrivera. C'est certain. Marlène attend notre retour. Toi aussi, elle te parlera maintenant. Hein? Ouais, si tu lui fais un sourire. Peut-être et là, si on paye bien. Et là, s'il y a un sourire genre ultra creepy, ça me tuerait de rire. Genre vraiment, genre... Le sourire que t'as pas envie de voir. Alors pour ceux qui connaissent celui de l'Odagan dans Kaamelott. Pourquoi il y a un gros rond rouge? Bah alors, dépêche. Il y a un verrouillage d'urgence. Oh, c'est rien. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? Oui. On peut ouvrir de la salle d'à côté. Défonce la vitre. J'ai envie de défoncer la vitre. Ils font vraiment tout pour nous. Mais apparemment, il y a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas. Oh. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés? Oui. La salle au trésor. Génial! Allons-y tout de suite! Tout de suite! La salle au trésor, elle est où la salle au trésor? Elle est où la salle au trésor? Le mécanisme est très simple, il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Moi je veux la salle des trésors! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux commencer par ça? Oui. Les trésors, les trésors, les trésors. C'est là qu'on récupère nos trésors? Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas? C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre alors? C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Ils sont chiants avec leur système de verrouillage. Ok. C'est le niveau maximum, hein? Et tu veux commencer par ça? Oui. Sécurité, il est nécessaire d'actionner les 4. Alors, 2 secondes. What? Le mode de sécurité maximum est actuellement activé. Faites attention. Activez les leviers à mon signal. J'ai pas trop compris, mais bon. Au même moment que Tifa. Ça va, j'ai compris. Allez, Tifa, vas-y. D'abord, le premier niveau. C'est parti. 1, 2. Oups. Merde. On va y arriver. 1, 2. Batman.
essayer un peu de suivre mon rythme. Avalanche ! Tu nous perturbes, là. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Un, deux... Oups. Putain, ça va vite me faire chier. Je compte sur vous. Un, deux... Faut qu'on se coordonne. Ok, alors je vais voir le timing. On va y arriver. Un, deux... Pas de panique. Ok, donc il y en avait juste un qui... On se concentre. Un, deux... J'ai fermé les yeux pour mieux me concentrer. Sécurité désactivée. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. Mais ça valait probablement le coup parce que maintenant on va tout avoir. On a réussi. Hey, oh, Cloud, sérieusement? On n'a pas été entraîné pour ça. Pas faux. Quand on veut être un bon mercenaire, il faut savoir tout faire. Bon, ça suffit, les chamailleries. Allons plutôt voir à l'intérieur. Ouais, surtout qu'on... Wesh, on a tout fait. Sérieux, on y est arrivé, c'est le principal. Yes, trophy. Biddy, Cloud. Ça valait le coup de se faire chier, au moins. Par contre, matériel. Je vais tout prendre. Ah yes, du coup on a des gigabombes. Allez, on peut faire ça. Ça va, je me suis entraîné, hein, donc... Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Alors... Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, c'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt ? Un, deux... Easy. Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Et voilà ! Du premier coup. Bravo! Parfaite coordination! Ouais, pas mal. Allez! Oh, ça va encore une cinématique. Ah non, putain, encore heureux. Ok, il va y avoir un boss. Et il y a un CD! Ça, au moins, c'est cool. Allez. J'espère juste... Putain, mais pousse-toi, Barrette ! T'es mort. Bon, on peut y aller. Ah, voilà la sortie. Fais tout péter. Me dis pas qu'on va devoir l'affronter sur ces petits trucs. Président Shinra. Oh, les yeux de quelqu'un qui a baigné dans la Mako. Qui es-tu? Un soldat, c'est ça. Ancien soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement autodestructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les soldats sont conscients de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand? Casse tout! Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra! Des lamentations. Tu gaspillerais ta salive ainsi que mon temps. Pas faux. Oh, tu m'énerves. On pourrait en parler. Tiens, du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je ne veux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie, Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter?
Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Pas faux. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Vous êtes maintenant de vils complices de nos ennemis du Wu-Tai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Complices du Wu-Tai ? Mais de quoi ils parlent ? C'est quoi le Wu-Tai ? Oh, sérieux ? C'est trop stupide pour comprendre ce qui se passe. Monsieur Héro de droite. Hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Vous pensiez probablement avoir mené votre plan. Mais vous n'êtes que les instruments de nos propres plans. Notre méticuleuse campagne de propagande militaire. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde. Et 24 minutes. Salopard! Bien, le spectacle peut commencer. Ok, ça va être creux. Coucou. Vous êtes les ennemis du peuple de Midgard. Je crois que je connais cette scène. C'est quoi le Wu-Tai? Ah! En 24 minutes! Oh. Merci. Un demi au moins. J'en ai assez. Je vous le ferai payer! Déterminé. Tu n'as pas su le dire. Cloud! Arrête de rêvasser! Je compte sur toi, moi. Non, j'ai rien fait! T'inquiète pas, il devrait être côté. Ça va, compte sur nous! Vous allez vous discréditer les mains devant toute la commune. Ah. Cloud, tu peux pas bouger? Enfin. Ouais, laisse-moi faire! C'est ce qui va le mieux marcher. Ok, bonne chance. Laisse-moi faire. J'arrive. J'ai rien consommé. Incroyable pouvoir de prends ça. C'est pas fini. Coup de tonnerre. Allez. On n'a pas de temps à perdre. Allez! Je compte sur toi. Mais j'en mets plein la vue! Je compte sur toi! Ça me va. J'attendais que ça! Mange-toi ça! De l'œuf sur un c'est plateau! Fini. Attaquons ensemble! Je m'en occupe. Vous êtes comme de quelqu'un. Ça devrait suffire. C'est qui s'est fait? J'espère que c'est pas ça qui va me dire.
La gueule. Oh. Il furie tu. Ça va niquer ses mères. Un gros gros. Tu penses que ça me fait mal? Allez! L'aérodestructeur entre désormais dans la phase finale. Qu'est-ce que quoi? Bien, c'est l'heure de votre exécution. Il est trop haut. Barrett, tire-lui dessus. Pas de problème. Je compte sur vous pour m'apporter votre soutien. Voilà. Concentre-toi. Je m'en occupe. Ça va faire mal. Je m'en charge. Esquive ça. Maintenant. Ouais, on donne tout ce qu'on a. Problème. Je vais le réduire en pièces. Ça me va. J'arrive. Par contre, que c'est classe. Bah ouais, t'as pas de gigabombe. Oh, l'OST. Garde ton sang-froid. J'attendais que ça. Écoutez l'OST. My god. Ouais, à toi de jouer. Ok, c'est parti. Je vais te faire écouter les cris de douleur de tes camarades. Un bon coup de chien. My god. Ça va faire mal. Bien joué. À toi de jouer. Laisse-moi faire. Par contre, OST était magnifique, hein. Je suis désolé. Te précipite pas. Heureusement que je suis là, hein. Je vais te faire cramer la cervelle. Oh. Je m'en donne chance. Fini de jouer. Esquive ça. Faisons autrement. Allez, ensemble. Ouais, aucun problème. Ça va de ton côté. Je compte sur toi. Ça me va. Coupe-moi ça. Ça va piquer. C'est pas fini. Ouah, c'était génial. L'OST était incroyable, hein, je suis désolé. I'm always in live. T'en fais pas pour moi, aide Tifa. Pas faux. Désolé. Je t'ai mal jugé. C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi. Cloud. Et ça va. Il va pas mourir, c'est le protagoniste. Oublie pas qu'on a faim. Ah. Eh bah putain, c'était incroyable ce chapitre 7. Franchement, le chapitre 6, il est... C'était chiant, mais le 7, my god, en fait, ce combat de boss, il était génial, hein. Par contre, j'espère que ça... bien... Oh, on va la rencontrer. Oh, je crois savoir qu'est-ce qui va se passer. Oh, je crois savoir. Mais il va encore y avoir une putain de cinématique. Et on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu, hein, parce que, en tout cas, moi, j'ai bien aimé le faire. Et on se retrouve, du coup, pour le chapitre 8. Bye bye!